Chers amis, bonsoir et bienvenue à la énième, je crois que c'est la onzième soirée de la nuit du sport. C'est vrai qu'on a démarré tout petit, c'est un thème pour délirer. Sport, thème facile comme chaque année, accessible à tous surtout. Et c'est la soirée, j'ai envie de dire, qui lance le carnaval, même s'il y avait des soirées en amont. Mais en tout cas, dans la longue série des jours gras, j'ai envie d'appeler cette soirée, enfin ce jour, le jeudi gras. Donc cette année, ça a été un stress particulier. Parce que pour la première fois depuis 5 semaines, il n'y avait plus de tickets. Non pas que je ne puisse pas aller au-delà, mais c'est surtout que il y a eu une forte demande, une très forte demande. Alors bon, beaucoup n'ont pas compris, certains ont reproché d'avoir vendu trop tôt. Enfin, je ne vois pas le rapport. Je vais vendre 15 jours plus tard, il n'y en aurait plus non plus. Donc ce n'est pas une question de nombre de jours de vente. Et là où je dis qu'il y a un stress, c'est que nos compatriotes martiniquais ne comprennent pas que pour des raisons de sécurité, quand on dit qu'il n'y a plus de place, qu'il faut juste respecter le fait qu'il n'y a plus de place. Ce n'est pas une non-volonté de ma part. Tout entrepreneur de spectacle aimerait gagner beaucoup d'argent. Simplement, quand on souscrit à une assurance, on a droit à un certain nombre de personnes. Quand la commission de sécurité de la commune vous impose un certain nombre de personnes, on ne peut pas aller au-delà. Donc ce n'est pas que je ne veuille pas, je ne peux pas. Et alors, tout le monde passe, on passe par un tel, on passe par la petite porte, on essaie de passer par la fenêtre. Et ça, je peux vous dire que c'est un stress particulier pour un organisateur qui sent monter une pression et qui sent que ce sera compliqué de contenir tout ce monde-là. Mais à part ça, pour la partie festive, puisqu'il faut être positif, je souhaite que tout le monde s'amuse, je souhaite que cette soirée perdure, que ceux qui sont présents pour cette édition 2017 s'amusent. Dans le respect de tous, en consommant avec modération, et je souhaite à tout le monde un joyeux carnaval 2017. Alors, nous sommes la presse, donc c'est Mon Cœur Bat Vite TV. Nous sommes venus ce soir aux Jeux Olympiques qui sont pour la première fois en Martinique. Donc, c'était un événement à ne pas rater. Pour l'instant, nous sommes sur le parking parce qu'il y a de l'ambiance. Hein. Tout le monde boit, tout le monde commence à se préparer. Et donc, nous, on essaye de ne rater aucun instant. Donc, d'ailleurs, nous allons surveiller, voir. Attention. La Jamaïque. Oui, la discipline. Quelle discipline? Le tennis. Pour les JO, en Martinique. D'accord. Oui. Vous visez la première place? Oui, toujours. Comme ça. C'est Bastien de Fort de France, c'est ma première année du sport et je le recommande à tous parce que niveau ambiance c'est super et il y a tout ce qu'il faut. Faut y venir tôt parce que les places sont rares et voilà, super à tous. Merci encore Michael, super. Ouvert, ouvert.
c'est ma 6e nuit du sport. J'ai fait 8000 km pour venir vous voir. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et je suis winner. Ouais, regarde. Je tiens là la médaille d'or pour toi. Voilà, c'est ça la médaille. Meilleure équipe. Meilleure équipe. The winner. We are the winner. Je suis la cible du tir à l'arc de la France. Qu'est-ce que tu dis? Vise dans mon mille si tu peux. J'avais ces têtes qui sont. Pas besoin de refaire un dessin. Après, vais-je prendre tes hanches. Et tu sais te faire la blanche. Tiens, voilà ton étalon. Qui enlève son pantalon. Et c'est ta vraie émotion. Que je te souffre de la passion. Alors
Antica de Sainte-Marie. Gladys de Sainte-Marie. On a bien commencé le carnaval. On aime l'ambiance. C'est l'ambiance qu'on passe. Bonsoir, c'est Sarah de Chelcher, donc c'est la 5e fois que je viens. Et ce soir, je vais tout péter, ça se passe bien et j'ai bien sporté. Je suis en danseuse étoile, donc rendez-vous l'année prochaine et que ça continue avec Loupa Sam. Et merci Mickaël pour toute cette organisation. Bonsoir, Nicole de Fort-de-France. Ce n'est pas ma première nuit du sport, mais chaque année, l'ambiance, elle est hot. Et c'est sûr que chaque année, je reviendrai. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens à la nuit du sport. J'ai adoré, j'adhère, je suis contente et je vais revenir la prochaine fois. J'espère que vous avez continué parce que c'est trop génial.